Bonjour, donc dans cette séquence vidéo, nous allons faire la solution d'un exercice très simple. Donc c'est un exercice de base. Donc dans cet exercice, nous allons faire un algorithme qui permet de répondre à la question suivante. Est-ce que un nombre entier n est divisible par un autre nombre entier aussi, d ou non? Donc nous avons ici deux nombres entiers, n et d. On voulait savoir est-ce que n est divisible par d. Donc la divisibilité, donc c'est un concept mathématique, c'est une définition mathématique. Donc n est divisible par d, ça veut dire que le reste de division de n par d égale à 0. Donc la première chose qu'il faut faire, comme nous avons l'habitude de faire, c'est de modéliser l'algorithme sous forme de variables d'entrée, de variables sortie, de schématiser l'algorithme sous forme de variables d'entrée, de variables sortie et de la partie traitement. Donc ici nous avons la partie traitement, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc ici, la variable d'entrée, c'est n et d. Ça veut dire qu'on veut savoir est-ce que n est divisible par d ou bien non. Voilà. Et à la fin, variable de sortie, c'est quoi? C'est une réponse. Donc la réponse, elle est soit n est divisible par d, soit n n'est pas divisible par d. Donc ça, la réponse est un message. Donc ce message-là, il prend deux valeurs possibles. Donc soit, je vais faire comme ça, soit deux messages. Donc divisible en non divisible. Divisible en non. Okay. Donc ici on va voir comment faire ce cas-là. Donc ici c'est clair. Donc il y a deux réponses exclusives, ça veut dire c'est soit la première, soit la deuxième. On ne peut pas avoir les deux réponses en même temps. Donc c'est clair ici, on va utiliser l'instruction de test alternatif double. Donc le test alternatif double, ça veut dire quoi? Ça veut dire le test avec deux blocs, le bloc du si et le bloc du sinon. Et donc, comme nous avons fait déjà avant, les variables d'entrée, ça devient des entrées, des lectures, les variables sorties, ça devient des écritures. Donc, on va essayer de faire l'algorithme. On va commencer à faire les choses qui sont claires. Donc, en commençant par la structure de l'algorithme. Donc, nous avons un algorithme. Il est constitué de trois parties. La première partie, c'est l'entête, exo, ici. Donc, la deuxième partie, c'est la partie déclaration. Ici, nous avons les variables. Nous avons deux variables par moment. N et d, c'est des entiers. Et la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. Ça commence par début et ça se termine par fin. Donc la première chose, c'est la lecture, c'est donner les variables, les valeurs pour les variables d'entrée. Et ensuite, ça sera un affichage. Ici, on va voir pour le message, on va voir comment faire. Il y a deux cas possibles. On va faire le premier cas, c'est des messages, c'est des écritures directes. Et deuxième cas, c'est déclarer le message comme étant une variable. Ça, on va laisser après. Donc, on va se concentrer sur la partie traitement. Donc, comment savoir est-ce que n est divisible par d? Donc, tout simplement, on va faire la division euclidienne, n par rapport à d. On cherche le quotient Q et le reste R. Réellement, pour le quotient, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas le résultat. Ce qui nous intéresse, c'est le quotient. Donc le quotient, pardon, ça nous reste, donc le quotient ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le rayon. C'est le reste, pardon. Donc ici, pour le reste, il y a deux cas. Soit égal à 0, soit différent de 0. Donc dans le cas où r égale à 0, ça va devenir divisible. C'est-à-dire n il est divisible. Donc on aura le premier message. Dans le cas où r différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas divisible. Donc la question qui se pose ici, donc ça c'est une analyse mathématique du problème. La question comment faire en algorithmique pour avoir r en sachant la valeur de n et de d. Donc en algorithmique, on a l'opérateur mode. On peut faire ça en algorithmique. R reçoit n mode d. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va obtenir le reste division. Donc, ici, nous avons utilisé la variable r. Logiquement, il faut l'ajouter au niveau de la partie déclaration. R, c'est un entier. Okay? Donc, il faut ajouter r au niveau de la partie déclaration.
Ici, on a deux cas. Si R égale à 0, alors. Et sinon. Et ainsi. Donc ici, nous avons deux blocs. Ici, nous avons deux blocs. Le bloc du si, ça c'est le bloc du si. Et ça c'est le bloc du sinon. Donc il y a une instruction. On aura une instruction d'affichage dans le bloc du si, une instruction d'affichage dans le bloc du sinon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici écrire. Donc qu'est-ce que nous avons dit? Pour r égale à 0, nous avons il est divisible. Ça veut dire qu'on va écrire un message n est divisible par. Est divisible sur d. Voilà, bien par d. Par contre, ici, on va faire écrire l'inverse. N n'est pas divisible. N'est pas divisible par d. Donc voilà. Donc j'espère bien que c'est clair ici. Donc l'idée elle est vraiment simple. Ok? Donc l'idée elle est vraiment simple. Donc vous remarquez ici, c'est pas comme les algorithmes que nous avons fait avant, les lectures et l'écriture à la fin. Ici nous avons deux écritures, donc on peut éviter cette façon de faire les choses, ça veut dire deux écritures différentes, on peut l'éviter. On va voir la solution juste après, avant de proposer la nouvelle solution pour éviter de faire l'écriture deux fois. On va faire l'écriture une seule fois et changer les choses, on va laisser ça après. Donc on va faire quoi maintenant? On va traduire ça en programme. On veut que la machine exécute cet algorithme. Donc pour que la machine exécute cet algorithme, il faut traduire cet algorithme en un programme en choisissant un langage programmation. Donc ici pour nous on travaille avec le langage Pascal. Donc on va essayer de faire le programme au niveau du programme Pascal. Donc ici je vais essayer de traduire l'algorithme. Je vais essayer d'être au même niveau de l'algorithme pour faire. Donc on traduit partie par partie, on traduit l'en-tête. Donc on ajoute une CRT qui est nécessaire pour l'exécution. La partie variable, nous avons N, D et R, c'est des entiers. On va traduire comme ça. Le début c'est begin et fin c'est end. Enfin, donc ici, la première chose c'est read N, ID. Ensuite, on calcule le reste des divisions. R reçoit. N mod D. Ensuite, on teste est-ce que R égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire write N est divisible par D. Attention ici, il ne faut pas mettre le point virgule à cause du else. Donc on ne met jamais point virgule avant S. Si vous mettez ici point virgule, vous allez avoir un problème de compilation. Ici, il ne faut pas mettre point virgule. Ici, pas de point virgule avant else. L'instruction qui précède else, il ne faut pas mettre point virgule. Donc, else, write, n et n'est pas divisible. Parti. On va essayer d'exécuter. Donc, si vous voulez, on va compiler F9, la touche F9, donc il n'y a pas de problème. Donc si on essaye de mettre point virgule, si on met point virgule ici, pardon, si on met point virgule ici, donc dans ce cas-là, vous allez avoir une erreur. Voilà. Donc c'est quoi l'erreur ici? C'est error in statement. Il écrit l'erreur en bas, ici, dans la barre d'état. Error 113, error in statement. Donc il y a un problème ici, le else, le Pascal ne peut pas lier le else avec if. Pourquoi? À cause de ce point virgule. Donc le if va se terminer ici et c'est bon. Donc normalement Pascal il trouve pas le else, il trouve d'autres instructions. Le else il doit être attaché à le if. Ce qui a cassé ce lien c'est le point virgule. Donc il faut enlever le point virgule pour que le Pascal déduit le lien. Donc je recompile F9. Voilà, build, il n'y a pas de problème. Ensuite j'exécute avec ce bouton. Donc il me demande d'enregistrer le programme, c'est bien. Save. Je vais le faire dans 2017-2018. Donc ici, divisible. Divisible. Je sais pas ce qu'il peut l'enregistrer complet. Voilà, c'est pas complet, mais c'est pas méchant. Ok. F9. Et ensuite, j'exécute. Pourquoi il fait ça? Ctrl F9. Ok. Ok, donc je donne deux nombres, par exemple je vais donner 20 et 2, il va me faire n est divisible par d. Donc 20 est divisible par 2.
Maintenant, je fais une autre phrase. De toute façon, je vais faire 21 et 2. On va voir que n n'est pas divisible par 2. Donc, vous remarquez ici, à chaque fois que vous exécutez, vous allez avoir un curseur qui clignote. Ça, on a fait cette remarque déjà avant. Donc, ce sera mieux d'améliorer un peu l'affichage au niveau de l'exécution. Donc, avant de faire, avant d'introduire les valeurs, avant read, donc c'est bien de d'accompagner les lectures par des messages. Donnez deux valeurs entières. NID, s'il vous plaît. NID. Voilà. Donc, ça devient comment au niveau de l'exécution? Donc, au niveau de l'exécution, ça devient plus clair. Bon, vous allez voir. Voilà. Ici, ça devient comme ça. Donner de valeur NID. Alors, je vais donner, par exemple, 25 et 4. Donc, ici, il m'affiche N n'est pas divisible par D. Je préfère remplacer N par sa valeur qui a été saisie et D par sa valeur qui a été saisie. Ça veut dire, ici, je vais faire comme suit. Donc, N, je vais le sortir du message. Le message, ça commence ici. Et je vais faire écrire. Donc, espace. Donc, N... ça va être, c'est une variable, ça va être remplacé par sa valeur, c'est-à-dire la valeur qui a été saisie, n'est pas divisible par, et je ferme le message ici, comme ça. Donc ici c'est différent, tout à l'heure, N et D, ils font partie du message, comme étant des caractères. Cette fois-ci, il y a trois objets ici, dans write, le premier objet c'est une variable entière, c'est N, deuxième objet c'est une chaîne de caractères, et troisième objet c'est une autre variable D, c'est-à-dire trois objets. Tout à l'heure, il y avait un seul objet, toute chaîne de caractères. On va refaire, vous allez voir. On va faire 21 et 7. Donc 21 pour N et 7. Donc, je m'excuse. Je devais tout d'abord recompiler. Réexécuter. Je pense comme ça. Alors, pourquoi il ne fait pas la chose? Ah oui, ici la même chose dans le message, pardon. Il fallait remplacer les choses dans les deux. Voilà. Voilà. On va faire 21 et 5. On va dire 21 n'est pas divisible par 5. Je refais l'exécution. 21 et 7. Il veut dire 21 est divisible par 7. Donc voilà, c'est un concept très simple. Donc cet exercice vous montre comment savoir est-ce qu'un nombre divise un autre nombre. Ou bien un nombre est divisible par rapport sur un autre nombre. Donc, j'ai dit tout à l'heure une remarque concernant l'écriture. Comment éviter ce type d'écriture, la répétition de l'écriture deux fois? Donc, on va faire l'écriture une seule fois. Comment? Tout simplement en déclarant une variable qui s'appelle message. Donc, message, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Voilà. Donc, ici, on va voir comment. Donc, on va faire message reçoit. Et ici, on va faire message reçoit. Voilà. Donc, message reçoit les deux valeurs possibles, les deux réponses possibles. Maintenant, on va faire écrire message. Donc, vous avez compris le principe. Je vais enlever le point virgule. On est en algorithmique. Donc, la même chose en Pascal, c'est que l'idée, c'est quoi? C'est pour éviter la répétition de write deux fois. On va déclarer une chaîne de caractères. Donc en Pascal, chaîne de caractères, c'est string. Voilà. Ensuite, on va faire comme suit. Donc ce write, on va l'enlever. Et on va faire deux points égal. Donc deux points égal, c'est reçoit en Pascal. Donc ici, il y aura un petit problème pour la concaténation. Oui. On va laisser comme ça. Puisque la concaténation elle est plus délicate en Pascal, on va laisser comme ça. Donc ici, message reçoit un. Parti. Ok, on va revenir en notion. Donc ici, write message. Donc c'est quelque chose de très simple. Donc il faut déclarer la variable, etc. Donc j'enregistre. File save et j'exécute. Voilà. On va faire 5 et 3. Il me fait n n'est pas divisible par d. Donc c'est la même solution. L'idée ici c'est d'éviter d'avoir écrire write plusieurs fois. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc cet exercice ça va être la base de plusieurs exercices qui vont se suivre. Donc c'est la base de par exemple pour c'est le même cas pour ça va être la base pour savoir est-ce qu'un nombre est premier et pair
ou bien les paires, ou bien pour les nombres premiers. Ça, on va les faire dans les séquences vidéo prochaines. Les recherches du nombre parmi une séquence de nombres. Par exemple, je cherche les nombres qui sont divisibles par 3 et qui ne sont pas divisibles par 5 et qui sont entre N1 et N2. Ça, on va le faire aussi. C'est un exercice très important, c'est-à-dire de base, et qui est très important. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, vous n'hésitez pas. Bon courage et travaillez bien.